Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on poursuit notre let's play de Chouchou Charlie dans les samedis de l'angoisse. Alors, il nous a ramené ici directement. C'est très bien, il y a Mathieu qui est là. Bonjour Mathieu. Hey, aren't you the new guy who's come here to work for us? You must be. There's something at the top of these towers that I need. And don't worry, I won't make you work for free. I'm a nice enough guy to pay you. You see, Mr. Warren never told anyone from the mainland about his mining operation here. He never even reported the cave-in. He hasn't paid us since then. Our living quarters are atrocious, and I'm far overqualified for the pay I'm supposed to receive. Top it all off, none of us miners ever received copies of our paperwork. But that doesn't affect my subordinates as much as someone with my status. Eh ben. I'm gonna suit the pants off of Warren once I escape this island, and I need those files to prove that he breached our contract. He keeps all his files at the top of these towers. I could explain how I ascertained this, but I doubt it would make sense to you. Problem is, he erected these towers years before we ever started mining, and now they're falling apart. I could scale them myself, but since you're here, go sniff around for those files. As a reward, you can have one of my useless pieces of scrap. I bet you'd love to have it. Bah alors lui, il est un peu stupide. Il est peut-être un peu stupide, mais c'est nous qui allons faire le taf à sa place alors qu'il est en train de se moquer de nous et que les débris... J'en ai pas forcément besoin, mais... J'ai juste besoin d'aller chercher le dernier œuf. Alors... Je peux monter ici. Après, je vais quand même récupérer des débris au cas où on se ferait attaquer. Comment je vais faire pour pouvoir passer de l'autre côté de la tour par contre? Je peux pas. Faudrait-il que j'aille de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a ici? On a une tour. Ici. Il faut que je passe direct de l'autre côté. Est-ce qu'il y a une porte là? Ouais. Ah, elle est fermée, il faut aller de l'autre côté, effectivement. Il faut que j'essaie de passer par l'autre côté, mais alors... Comment faire? Là, je peux pas monter plus haut ici, je peux rien faire. Quoi? Tu peux pas m'attaquer, tu peux pas m'atteindre d'ici de toute façon. Alors, je vais essayer de sauter. Hein. Oh, mais j'avais sauté. Allez, on va essayer. Toc. J'allais ouvrir la porte ici, ça m'évitera. Je peux pas. Peinture verte. Une peinture de plus. La clé doit être en haut alors.
Ici, c'est bloqué. Ah, doucement. Trop court. On va y aller trop fort, là. Hop. Il va falloir sauter de l'autre côté. Là par contre... je crois pas trop. Je peux... Ah, trop court. Oh, mais non. Ah, pire plus, j'ai déraillé. Ah, bah oui. Je suis loin. J'espère qu'il va pas, qu'il va pas m'attaquer là pour le coup. Alors... Mais non, mais... Ah, oh, mais pourquoi j'ai avancé là? Quel boulet? Ah, oh, je suis là en plus. Je fais n'importe quoi. Allez, un peu de sérieux. Et en plus, je le répète, je pense que ici, j'ai pas tellement d'intérêt de venir. Donc ça, ça me permet de monter. Qu'on n'ait pas la clé d'ici. Ouais, je vais le tenter, mais je pense que je suis trop bas. Ah non, ça passe. C'est passé. Alors, ériger les fondations de cette opération a été considérablement plus compliqué que prévu, par un coût dantesque d'une part, mais également par la logistique de la construction et de la livraison des fournitures aux produits sites miniers d'autre part, aux principaux sites miniers d'autre part. Nous devrons trouver de l'or rapidement, si nous voulons avoir une quelconque chance d'éviter la faillite. Ah oui. Là, je reviens là. Ok. Et ce que je croyais pas faire, mais il va le faire. C'est bon. Hop. Ah oui, effectivement.
on a les papiers. Ouais, hein, c'est très bête, mais je trouve que c'est. Ces textures sont fun, quoi. C'est très net, c'est surprenant. Des textures, pardon, très moches, mais c'est très net et. Ça, c'est chouette. Moi, j'aime bien le fait que ça soit, pour une fois, pas flou, quoi. Tous les jeux, dans ce moment, je les trouve tous très flous. Ah, peut-être des choses à enlever, hein, ça, je sais pas, mais. Descendre par là directement. Je me tue là ou pas? Je sais pas. Je suis pas mort. You look like a monkey climbing those towers. I sure am glad I found these files. Here's that scrap you were begging for. Don't spend it all in one place. Alors, on va retourner là. Je vais le mettre directement quand même. Et puis après, on va aller chercher l'autre œuf, le dernier. Ça. Donc l'autre œuf, ça c'est pour invoquer le truc et ça doit être l'œuf, je crois. Ah, ça c'est les pièces de l'arme. Ah, par contre, s'il faut que je revienne en arrière. Alors, du vert, du gris. Oh, il est sympa en violet, moi je trouve. En vert. Hop, hop, hop. Pourquoi je vais par là, moi? Je pense qu'ici c'était les armes. Ouais, c'est ça. Ah putain, il attaque lui. D'accord. Ah oui, ça va être dur. J'aime pas faire fufu. Alors par contre, nous on est là. Je
D'accord, c'est encore un. C'est pété ou pas? Ah si je peux. Ah si je peux l'arrêter comme ça. C'est un masque, ça. Donc ici, on a que des masques. Dans cette tour, alors, peut-être. Je prendrais bien un flingue quand même. J'aurais pas dit non. Nous creusons depuis plus d'un mois et je commence à me demander ce que nous faisons vraiment ici. On peut voir d'anciennes ruines de pierre au-dessus du sol, ainsi que d'autres ruines découvertes sous terre. Une sorte de temple abrité dans la plus grande caverne a été découverte dans l'une des autres mines. Sommes-nous vraiment en train de creuser pour trouver des filons d'or? Eh non. Je pense pas, monsieur. Une clé. Mène je ne sais où. Tu peux pas attaquer là, toi? Si tu peux, t'es là-bas. C'est quoi ça? Dégâts énormes, ralenti, cadence de tir. Dégâts portés, ralentissement, cadence de tir. Ça par contre ça doit ralentir à mort. Je pense, mais pas faire beaucoup de dégâts. Alors ça. Cadence de tir, ralentissement, non. Par contre une belle portée. Alors, on va tester. Hein. Mais je pense que le mieux c'est quand même le destructeur. Je vais reculer. Je vais reculer et tourner là. On va se rapprocher d'ici. Ça sera plus simple. Si il se pointe, oui. On est là.
Hop. Et là, toi, on va te mettre ici, comme ça on saura le métrage. 220 mètres. On s'approche. Parce que si je suis obligé de descendre... Non, ça devrait aller. C'est bon. Il tourne. Et là, par contre, on va s'arrêter là. Alors, ils étaient au moins deux. C'est pas une mauvaise idée, simplement. Hein. Il y en a un là. T'as eu où c'est quoi? Ah putain! Ah non mais dégage, je voulais voir ce qu'il y avait derrière. Ah. Tant pis. C'est le dernier œuf, hein. Je crois que j'en ai deux, je vais vérifier quand même. Ah. L'autre il est dans le coin, mais tant qu'il m'attaque pas. Je vais foncer, je vais au moins aller voir ce qui se passe. J'arrive à connaître la zone en fait. Fuyons. Ah merde. Dégage, dégage, dégage. Non, non. Stop right there. Ah, tire-nous. Ah putain. Ouais, je sais pas où il est. Ah mince! Je sais plus où est mon train. Je suis sorti du truc, alors je sais pas si c'est validé ou pas. Je pense pas, j'ai pas vu de message. Si, c'est bon. Alors... faudrait que je revienne là. C'est ici que j'ai mis de quoi faire sauter le train. On va faire ça.
va se remettre en vieux. Je préférais. Je trouve que ça va bien avec l'ambiance un petit peu Halloween. Bon, on avance jusque là. Il y a des mecs ici aussi. Oh merde. No trespassing. Alors que j'ai eu du temps pour pouvoir placer la vidéo. Voyons ça. Put the egg down slowly and lay flat on the ground. You'll hurt far too many people if you follow through with whatever you're planning. Non, no, il est temps d'en finir. No! You fool! You've doomed us all! Ah, il est temps de se barrer. Aïe. Aïe aïe. Est-ce que j'ai la bonne arme par contre? Je suis pas sûr. Ah non! C'est pas vrai, je l'ai eu, quoi. Arrêté! Mais comment ça, comment je te rate là? J'ai rien d'avance. Ah non. Thank you.
Ah ouais, d'accord. Un petit coup de flip là. Ouf. Ah ouais, d'accord. Ah, il va bouger beaucoup moins bien. Gavin Handsomes, hein. Eh ben, très très bon boulot. J'ai passé un très bon moment. Sérieusement, c'était chouette. C'était très simple. C'était agréable. Un peu flippant. C'était parfait. C'était court, c'était pas trop long. Petite histoire un peu folle, mais en tout cas vraiment j'ai beaucoup aimé. Je viens de le bouffer là d'un coup sec, je l'ai fait directement d'un coup sec. non mais sincèrement je sais pas trop quoi en dire parce que je trouve que pour une seule personne c'est vraiment énormément de taf. Il aurait eu plus de moyens, il aurait fait quelque chose de plus long et ça aurait peut-être été décevant, alors que là c'était très chouette. Et puis bravo quoi, parce que un joli petit monde, ça c'était certes qu'une seule île, mais était bien faite. Et oui, encore un autre œuf. Et la songer. Mais il n'y en a pas qu'un seul en fait. Ils sont nombreux. Ah bah disons, je vais remercier encore une fois l'ami Old Dog de m'avoir donné envie de jouer à ce jeu. Parce que cette histoire de pimper le train comme ça, là, de le... En plus, enfin, ouais, je trouve que graphiquement, il y a une vraie patte très sympa. Avec des textures très, très baveuses, mais vraiment, je trouve que ça donne un beau petit cachet au jeu, quoi. Non, je suis très content de l'avoir fait. Très, très, très content. Et bien, écoutez, j'espère que ce petit let's play vous aura plu. Autant qu'à moi, en tout cas. Le jeu est vraiment pas cher, hein. Je sais plus combien je l'ai payé, j'étais dans une dizaine d'euros. On est sur PC. Je vais donc vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à bientôt dans les samedis de l'angoisse. Allez, au revoir.